Alors, je m'appelle Axel Dumont et j'ai 17 ans. En fait, je ne faisais rien de mon été et je me suis dit autant que je fasse quelque chose de mon temps et aider la commune. Tout d'abord, on arrive au centre un petit peu avant 7 heures. On se retrouve avec tous les directeurs de service. On nous assigne une mission et un titulaire. Après, on va charger le matériel requis pour la mission avec des préparatifs à faire avant. Après, on va sur le terrain pour la réaliser. On a vidé le vide sanitaire du COSEC, un local en dessous du COSEC rempli de bancs, de chaises, divers matériaux. Après, on a trié le bois avec le bois, le métal avec le métal. Et après, on a aussi fait la mise dans l'azur du petit pont de Saint-Yandé. J'ai appris qu'il ne faut pas chômer, il faut vraiment travailler, que le travail, ça se fait à plusieurs, pas en autonomie, c'est le travail d'équipe qui prime avant tout. Pour l'instant, j'en ai aucune idée, je verrai bien sur le moment. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 16 ans. Pour m'occuper mes vacances d'abord et pour voir comment ça a fonctionné les jobs d'été. Quand on arrive le matin, on ne sait pas trop où on va aller et on part avec un ouvrier sur un chantier et on travaille. On a vidé le vide sanitaire du COSEC, on a tout trié, le bois, le métal, l'acier. Après, on a été laver le pont au Karcher derrière la mairie. Et là, on va réparer le pont de Sylvain. Financer une partie de mon permis et avec les sous qui restera, me faire plaisir. Alors, je m'appelle Muller Rémy, j'ai 16 ans et je rentre en première cette année. L'envie d'activité, de bouger avec le confinement, les vacances, il fallait qu'on s'occupe. On arrive environ à 7h moins le quart. On reçoit le planning du chef, on prépare le matériel et on se déplace sur les sites. Et que chaque métier est passionnant, on a toujours quelque chose à découvrir et à faire. Le mettre de côté ou bien le garder pour l'école ou l'utiliser pour la conduite accompagnée. Bonjour, je me présente, je m'appelle Noémie Martz, j'ai 17 ans. Je fais actuellement un bac pro cuisine, je suis en classe de terminale. Ce qui m'a motivée à travailler au job d'été dans la commune, c'est de pouvoir faire son propre argent. D'une journée de travail, ça dépend si on a des machines ou pas, mais quand on a des machines, on peut pas commencer avant 8 heures. Autrement, quand on n'a pas de machine, il y a le désherbage, il y a plein de trucs qu'on doit faire et on travaille jusque 10h, 11h. À 10h ou à 11h, on prend notre pause de 25 minutes et après on reprend jusqu'à 13h30 en fonction de ce qu'on fait. Les missions qui m'ont été données depuis le début de mon contrat a été la propreté, l'entretien de la commune et l'entretien des espaces verts. Dans la mairie, c'est ma première, mais autrement, j'ai fait d'autres expériences professionnelles. Donc, je sais comment ça se passe. Après, chaque travail est différent, donc on apprend différentes choses. Ce que je vais faire avec mon premier salaire, je vais retirer la moitié de ce que j'aurai pour le mettre sur un autre compte, pour pouvoir mettre de l'argent de côté et le reste, je l'utiliserai à ma guise.